organisateur du Pôle Espoir de la Ligue du Centre Val de Loire. Vous êtes venu donc aujourd'hui à Saint-Sébastien pour affronter le Pôle Espoir de la Ligue des Pays de la Loire. Une victoire, une défaite sur le premier match. Quelle analyse vous faites sur cette partie? Je pense que le match nul sur la première mi-temps aurait pu être équitable. Je pense qu'on aurait mieux reflété l'ensemble de la rencontre, notamment la fin de rencontre où on a poussé un petit peu le pôle espoir de Franck Moffet dans ses derniers retranchements. Mais bon, ils ont bien résisté, donc c'est aussi des valeurs du foot. Et puis la deuxième rencontre, c'était aussi intéressant, c'était assez équilibré. Notre gardien a fait quelques arrêts déterminants. On s'est imposé, donc moi je pense que tout le monde est satisfait. Et c'est surtout l'état d'esprit de la rencontre et l'engagement qui était intéressant. Ouais, deux promotions qui ont l'air d'avoir un super état d'esprit, ça a l'air d'être des mecs bien, des petits garçons sympas, ouais, c'est ça? Ouais, en général entre tous les pôles ça se passe bien, donc y a pas, c'est vrai qu'on est hors compétition dans un autre cadre. Ce qu'on recherche c'est la qualité des rencontres, le niveau des rencontres aussi, et on a vu comme aujourd'hui que c'était assez dynamique et technique et engagé, donc c'est ce qu'on recherche à travers ces prestations pour nos jeunes qui changent un petit peu leur championnat quotidien. À vous, c'est...